これが最後の月牙天章だ。Eh hey, salut YouTube! Hey, t'as pas l'habitude de nous voir sur cette scène-là, hein? Bah ouais, bien sûr. Non, c'est particulier ce matin, écoute, on est vendredi matin, tu verras peut-être cette VOD dans 4 ans, mais on est vendredi matin, et on est en train de jouer à Dokkan Battle, et subitement, toc toc, Ling Dong à la porte, bonjour! J'ai un colis pour monsieur machin, oui, c'est moi, mais bah tenez machin, voilà votre colis. En fait, c'est le fameux colis que Gardo a envoyé il y a quelques jours de cela, et qui est enfin arrivé à la maison. Seulement, bon, la surprise a été un petit peu spoilée, effectivement, par DHL qui a fait la livraison, sur le suivi SMS, colis, corsaire, machin, bidule, Corsair, donc Corsair, la marque de matos informatique, hein, et non pas la marque de compagnie aérienne, comme disait Monsieur Bigorneau tout à l'heure. Yo les playbars, ah bah bravo, bah super. Non mais vous voyez YouTube, hein, vous voyez un petit peu ce que j'endure avec ce chat, hein. Franchement, vous avez bien raison de rester de votre côté, mais venez quand même par ici. Mais allez, ça se passe bien. On a des cookies. Étant donné que tous les derniers colis que j'ai reçus, je vous les ai ouverts en VOD sur YouTube. Là, j'allais pas couper le stream, lancer une VOD, machin bidule. Donc du coup, on fait croquer Twitch. Ils sont juste là, d'ailleurs. Et bien sûr, on s'était dit qu'on allait vous faire croquer aussi. On va ouvrir ça, et puis on va voir effectivement tout ce qu'il y a dedans. Voilà. It's open. Alors, un petit papier. Lisons. Lisons ceci. What the fuck is that? Alors, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Il y a plein de trucs dessus. Mais je sais pas. Je comprends pas la moitié des mots qu'il y a marqué dessus. Bon, très bien. Écoute, on va passer là-dessus. Alors, on a petite protection. Magnifique. Ah, j'en manquais justement de bulles de poche d'air de protection comme ça, incroyable. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Oh, what the fuck? Oh. Hein? Quoi? Gardo? Qu'est-ce qui t'a dit? Oh, le fou furieux! Mais t'as pété un câble! Entre nous! Oh merde! Oh, mais il a totalement pété un plomb! Oh merde! Attendez, regardez, une belle boîte vide! C'est moi le salaud! Le stream des Kixel, ma gueule! Énorme! Ah oh, putain! Énorme! Incroyable! Oh le fou furieux! Excellent! Oh là 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 là, d'accord! Parce que moi, faut savoir qu'un stream deck, si vous voulez, j'en ai déjà un. Mais c'est le stream deck normal, vous savez, c'est le stream deck à 15 touches. D'ailleurs, c'est 3 lignes de 5 touches. Et là derrière, c'est le gros gros gros. En fait, regardez, vous voyez toutes les touches qu'il y a dessus. Je sais plus combien il y a de touches exactement, 2, 4, 6, 8, 8 x 4, il y a 32 touches du coup. Donc ce qui fait que, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt, ça prend beaucoup de place machin. Non, c'est que plutôt que de faire enchaîner les sous-dossiers, les dossiers, les sous-dossiers effectivement sur le petit stream deck, et ben sur le gros en gros, sur une seule page, like, tu peux tout mettre. Donc pas besoin de faire des sous-dossiers, des machins, des bidules, tu peux faire toute ton interface sur un seul truc. Putain de merde. Oh Gardo, oh là là. Mais ce Gardo, quoi! Incroyable! Incroyable! Mon dieu, au secours! Aïe aïe aïe! Attends, mais je ne tiens plus! Je ne tiens plus! Toi non plus, YouTube, je sais que tu ne tiens plus! Je vais l'ouvrir délicatement. Et puis en plus, ce qui est bien, vu que c'est du Elgato, en gros, mon stream deck, celui que j'ai en ce moment, je peux faire deux choses. C'est soit je le remets dans le carton et je le remplace par le XL, soit je les complète! Parce que les deux peuvent fonctionner en série. Donc c'est plutôt cool. C'est pour ça notamment que vous voyez beaucoup de streamers qui ont le stream deck ancienne génération, c'est-à-dire le mien, et ils ont sorti aussi un stream deck mini. Donc vous voyez beaucoup de gens qui, par exemple, sur le stream deck normal, mettent leurs fonctions propres au stream, et sur le stream deck mini, mettent les fonctions par rapport au chat, par exemple. Ce genre de choses. Il y a tellement moyen de tout paramétrer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si je remplace mon stream deck classique par le stream deck XL, il faut savoir que j'ai pas besoin de tout me retaper, tout le binding de touches, etc. Puisque sur le site internet d'Elgato, vous sauvegardez votre profil de stream deck et vous l'importez sur l'autre. C'est tout aussi simple que ça. Putain, il est lourd par rapport à l'autre. Oh, au secours. Attends, peut-être que je l'attrape comme ça. Voilà. Oh putain, ouais. Oh ya. Oh mon dieu. Ah oui, quand même. Alors déjà dans ma main. Oh, puis regardez. Hé. La belle petite housse de protection estampillée Elgato et tout et tout. Ah oui, c'est le sceau. En fait, regardez, c'est l'autocollant qui scelle l'emballage. Afin de s'amuser à mettre de nouvelles choses sur les touches. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui. Là, très clairement, on va pouvoir se marrer. Ah, c'est qu'il est monobloc, le XL. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le Stream Deck normal, c'est
un petit boîtier. En fait, dedans, c'est un petit ordinateur style Arduino, ce genre de choses. Et ensuite, vous pouvez le mettre sur un petit trépied incliné qui est fourni avec. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Waouh! Ah ouais! Oh my god! Oh ya 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 ya! Et il est vachement. Tu l'as pas fait tomber quand même. Non, c'est bon, c'est l'autre qui a bougé. Ah. Non, c'est bon, c'est l'autre qui a bougé. Oh merde. Oh, j'ai eu peur 5 minutes là. J'ai eu peur 5 minutes. Non, c'est que j'ai poussé. En fait, c'est qu'avec la boîte, j'ai poussé mon. Enfin, ah bah, il faut que vous voyez, hein, parce que c'est le sbeul. C'est que j'ai poussé, vous voyez. Non, regardez, vous voyez bien qu'il va bien, il est là. C'est que j'ai poussé la boîte, ça a tapé dans le clavier qui a été renversé l'autre stream deck qui était derrière. Non. Le premier jour cassé, tu sais. Ah, t'imagines, toi, le malaise. Alors, par contre, ouais, il est tout monobloc, putain, c'est ouf quoi. Mais il est vraiment monobloc. Ah non! Regardez. C'est aimanté. Énorme! Oh yo! Ah oui, non, mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt d'utiliser sans ça? Ah oui, c'est qu'on peut le. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y a des patins. Oh putain! Ils ont fait ça bien! T'as des patins. Là, ce que vous voyez là, c'est pas des aimants. Hein. Enfin, si, il y a les aimants, mais c'est des patins antidérapants. Vous pouvez le poser à plat comme ça sur le bureau, ou l'utiliser comme ça. Ah bah, comme ça, c'est beaucoup mieux. Gardo, t'es un grand malade. Oh, c'est vraiment... C'est un énorme jouet pour streamer adolescent, quoi, tu vois, mais dans la tête, hein, adolescent dans la tête. Mais, ah ouais, non, mais c'est énorme. Clairement, ça, c'est ce genre d'outil. Ça vous simplifie la vie quand vous streamez, je vous jure, vous imaginez même pas, quoi. Et derrière, le fait qu'ils aient sorti le XL, waouh, c'est... Oh ouais, non, attends, je vais le remettre proprement dans son emballage, mais alors... oh là là, et du coup, je comprends mieux l'histoire avec Opsa par rapport au deuxième. Enfin oui, alors parce qu'il faut savoir qu'il y a peut-être, possiblement, un loupé de commande qui ferait qu'il y en a peut-être un deuxième qui arriverait chez moi. On verra. Ça, pour l'instant, on se tient au jus avec Gardo pour savoir exactement quoi qui se passe précisément, et voir justement si toutefois ça match ou pas. Parce que forcément, si on a un deuxième qui arrive, bon, on va voir avec Gardo ce qu'on peut en faire. Mais bon, j'ai juste pas les mots, quoi. Ah, j'ai juste pas les mots. Ah, bordel. Ah, c'est ouf, quoi. Mais du coup, en fait, c'est... Mais c'est quoi le rapport avec Corsair, en fait? Je comprends pas. En plus, attendez. Regardez. Sur le côté du carton, il y a marqué Corsair M55 RGB Pro Mouse. Il parle d'une souris sur le côté du carton. J'ai un qui dit qu'ils sont partenariat, les deux. Ah, Corsair et Elgato, ils sont partenaires? Ah, bah, je savais pas. Je savais pas. Bah, c'est pas une souris, en tout cas. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'il y a des fonctions en plus? Est-ce qu'il y a des fonctions supplémentaires par rapport à celui que j'ai en ce moment? Alors, il y a le même contrôle possible par le panel Elgato, donc ça, très bien, je serai pas dépaysé. Câble détachable, etc. Support magnétique antidérapant, câble amovible, compatible Mac et Windows 10. Alors, commande tactile, appuyez sur une touche pour diffuser votre flux, etc., etc. Média en direct, ouais. Interaction instantanée, action de raccourci, blablabla. Alors, glisser, déposer des actions sur la stream, très bien, touche personnalisée, profil illimité, extensible à l'infini. Bah, tu m'étonnes. Moi, il y a pas de limite, quoi. Compatible avec donc intégration directe sur le Elgato Game Capture, OBS, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer, Spotify, Philips Hue, VMix, Voice Mode. Voice Mode, il est toujours compatible. Waouh. Alors celle-là, si je l'attendais, incroyable. Incroyable. Le Stream Deck, le Magnetic Stand, Quick Start Guide, USB-C to USB-A câble. Toi qui te plaignais de pas pouvoir faire plus de voix. Je vais pouvoir faire un menu full voice mode. Ouais. Oh mon dieu. Oh, la G1 est pas prête. Merci Nexals de me l'avoir rappelé. Si la G1 a des plaintes par rapport à ça, je saurai vers qui les envoyer. Ok Nexals, tu prends tes autres 10 minutes. En attendant YouTube, voilà. Donc je tenais à te faire partager ce petit moment effectivement complètement incroyable. Incroyable moment de l'IS. On te fait des gros bisous et puis à très bientôt pour plus de tests et d'amusement avec cet incroyable cadeau. Incroyable. Des bisous YouTube, à très bientôt.